Buenos días. Vamos a continuar con el curso. Hoy la conferencia se titula La Galería Tretiakov, el arte ruso del siglo XIX de la colección privada moscovita al Museo Nacional. Y tenemos con nosotros a la doctora Ekaterina Selezneva, que es la subdirectora y conservadora jefe de la propia galería de Moscú. La conferencia va a ser en francés. Tienen la traducción simultánea y la pueden mantener para la siguiente, que va a ser en inglés. Entre una y otra daremos un descanso de 10 minutos. La profesora Selezneva va a hablar, como digo, de su galería del siglo XIX. Tiene una gran formación en filología romano-germánica, en derecho y ciencias políticas y también, por supuesto, en historia del arte y museología. Como digo, es la responsable de conservación, restauración y registro de las obras en esta galería moscovita y además ha sido comisaria de importantes exposiciones, tanto en su museo como fuera, a lo largo de toda Europa, y tiene en preparación ahora mismo para el año 2008 una exposición sobre Toulouse-Lautrec. Muchas gracias. Bonjour, mesdames, messieurs, je suis heureuse de vous parler de l'art russe dans les collections de la galerie Tretiakov, dans cette ambiance sans pareil que nous trouvons ces jours-ci au musée de Prado. Alors, à Moscou, dans l'un des plus anciens quartiers autour du Kremlin, se trouve un bâtiment bien connu des moscovites et des visiteurs de capitale russe, d'un rouge éclatant, décoré de majoliques et de reliefs de pierre sur sa façade, doté d'une entrée de parade tripartite, elle rappelle les thérèmes ou les palais, comme on dit, des comtes russes et concentre sur lui toute attention. C'est la fameuse galerie Tretiakov, principal musée de l'art russe. Cette vue, la maison a acquis au début du XXe siècle. L'ami de fondateur de notre galerie, le peintre russe Viktor Vasnetsov, a proposé l'idée de la façade qui réunissait sous un toit, sur une vue, des bâtiments qui étaient construits un après l'autre, comme sa collection agrandissait, par le fondateur de la galerie, le commerçant russe Pavel Tretiakov. Vous voyez la photo de l'époque. Pavel Tretiakov, dont cette année nous allons fêter 175 ans, était le marchand russe et industriel, et durant toute sa vie, il est resté homme d'affaires, important, détenteur d'une fabrique de textiles et des maisons d'habitation et des magasins. Il vendait les tissus. Tantôt en pleine gloire, tantôt dans l'ombre, il était le digne successeur du commerce de son grand-père. Voilà, je vais vous montrer, ça c'est... vous le voyez avec sa femme Vera, qui était une bonne musicienne et qui avait toujours partagé ses goûts vers l'art. Il faut dire que M. Tretiakov a considérablement augmenté le capital de ses ancêtres et est mort citoyen honorable de Moscou. Il avait écrit « J'ai toujours voulu acquérir afin que cet acquis tiré de la société retourne à cette société dans la création d'institutions utiles.
Cette idée ne m'a jamais quittée de toute ma vie. Mais il faut dire que Pavel Tretiakov avait reçu la formation très modeste. Il était formé à la maison avec les maîtres privés. Il était guidé par sa mère, qui avait carrément la sagesse innée, si on peut dire. Son mariage avec Vera, qui était issue de la famille Mamontov, qui était des mécènes, était pour lui, bien sûr, un grand pas en avant, si on peut dire. Et ce couple a resté fidèle l'un à l'autre toute sa vie, et peut-être c'est Vera qui a d'abord encouragé Pavel à voir sérieusement l'art, à le sentir plus profondément. Bien que les débuts de Tretiakov étaient plutôt modestes. Étant commerçant, il est allé au marché aux puces, et là, son premier achat, c'était les 8 tableaux, soi-disant, des petits Hollandais. Bien sûr, il s'est avéré très vite que les tableaux étaient faux, et alors M. Tretiakov avait tiré les conclusions de cet achat pour toute sa vie. Étant un homme d'affaires, il a compris que la meilleure des choses, c'est faire connaissance aux peintres contemporains, aller dans les ateliers et acheter sans laitière. Et en fait, c'était le principe qu'il avait prêché toute sa vie. Et comme ça, sa décision de collectionner juste l'art russe, elle était en quelque sorte prédestinée. Là, je vous ai plutôt, je vais vous montrer sa collection, parce que c'était d'abord dans l'habitation privée, et ayant dit, il a fait ce qu'il a voulu, il a pris connaissance des plusieurs jeunes peintres russes qui lui étaient contemporains, et sa collection a commencé à croître très vite. Et en tant que, qu'il y avait plus de tableaux, il a dû reconstruire sa maison qui devenait de plus en plus grande. Mais vous voyez sur cette photo que, bien sûr, les approches en étaient encore plutôt amateuristes. Le faisait en tant qu'amateur, et il le comprenait lui-même très bien. C'est pour ça qu'il commence à s'instruire. Il commence à visiter les expositions, et puis il entreprend des grands voyages à l'étranger où il fait ce qui est nécessaire en tant que homme d'affaires, mais aussi il visite les musées, les expositions, et voit comment les autres le font. Oh, pardon, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et l'un de ses conseillers principaux fut le peintre Ivan Kramskoy, qui a fait son portrait. L'histoire de ce portrait, elle est très sympathique, parce que, ayant beaucoup aimé sa femme, Tretiakov, sa femme Vera, Tretiakov a invité Kramskoy pour que ce peintre fasse le portrait de Vera Tretiakov. Et ayant fait le portrait de Vera, Kramskoy a aussi fait à la prima le portrait du fondateur de notre musée. Il faut dire que, ayant sorti plutôt des cercles marchands, n'étant pas noble, Tretiakov avait porté un grand intérêt à la vie qui bouillonnait autour de lui en Russie. Peut-être il est important de dire que
le servage était aboli en Russie seulement en 1861. Alors, je vous présente maintenant le premier tableau qui était acheté, le tableau russe qui était acheté par Pavel Tretiakov. C'est le tableau du peintre Khudiakov qui s'appelle « La bagarre avec les contrebandiers finlandais ». Il faut dire que nous avons mis beaucoup de peine pour comprendre en fait, quel est le sujet de ce tableau, qui sont ces contrebandiers, quelle est la contrebande, parce que vraiment, on n'arrive pas à comprendre bien le sujet. Et on comprend que Tretiakov était plutôt attiré par le genre, par le côté littéraire de ce tableau. Il faut dire que les collègues espagnols qui ont fait les lectures hier m'ont beaucoup facilité la tâche parce qu'ils ont déjà souligné qu'au XIXe siècle, il y a un grand intérêt vers ce côté narratif. Il faut dire que l'art russe aussi était soumis à cet intérêt. Il paraît que c'était dans l'air du temps. Et bien sûr, ce tableau nous montre que Tretiakov était au début d'un chemin pour former aussi son flair de collectionneur qui, à la fin de sa vie, était, on peut dire, impeccable. Mais les premières œuvres qu'il avait acquises, c'était les œuvres qui nous relatent les histoire humaine. Ce tableau du peintre Vassili Poukirev s'appelle « Le mariage inégal » ou « La mésalliance ». Et vous voyez la jeune fille pauvre avec les yeux rouges qui a pleuré, qui ne veut pas être mariée avec ce riche vieillard. Vous voyez derrière elle un personnage très romantique qui est en souffrance. Et il faut dire que ce tableau a provoqué un énorme écho en Russie parce que tel mariage était tout de même courant. Et dans les journaux sont cités même quelques cas quand vieux fiancés, si on peut dire, ont renoncé, après avoir vu ce tableau, ont renoncé à un tel mariage. Un autre sujet qui était aussi plein de réalité russe, que le peintre Perov avait appelé la Troïka. Vous savez que la Troïka, c'est une sorte de carrosse qui est attelé par les trois chevaux, mais ici on voit trois enfants en hiver qui essaient de traîner une fosse à l'eau. Et puis le peintre Pirov avait reçu la commande de Tretiakov qui était mûre pour faire la galerie des portraits des gens illustres russes de son temps. Et il faut dire que, ayant cette origine modeste, Tretiakov n'était pas vraiment retiré par les faux pas ou les coutumes de la vie mondaine russe, parce que vous pouvez vous rappeler que à ce temps-là, en 1872, le grand écrivain russe Dostoïevski était déjà déshonoré. Il a perdu son titre noble. Il était au bagne et il était pauvre, vraiment en misère. Et pour faire ce portrait, Tretiakov avait invité
Dostoïevski à vivre chez lui et Perov venait le peindre chez le commanditeur de ce portrait, ce qui est aussi un cas, il me semble, assez rare. Et grâce à cette commande de Tretiakov, nous avons un seul portrait fait du vivant de ce grand artiste. Il faut dire aussi que Tretiakov était un homme très religieux. Il appartenait à ce qu'on appelait les vieux croyants. Ça veut dire, c'était aussi les orthodoxes, mais qui sont restés sous l'influence de patriarche Nikon et qui ne voudraient pas changer leur croyance. Mais malgré ça, Tretiakov avait acquis cette œuvre de Vassili Perov qui s'appelle La procession religieuse de Pâques en village. Cette œuvre était, dès son apparition, censurée par l'Église, parce que vous voyez que le clergé est saoul, qu'il porte l'icône à l'envers, et que vraiment ce tableau émane une certaine mélancolie, voire le désespoir. Mais malgré sa croyance, Tretiakov avait tout de suite acheté ce tableau parce qu'il comprenait qu'il y a la croyance, il y a le comportement des gens. Et il l'avait caché dans ses dépôts. Il y a la tendance au milieu du 19e siècle vraiment de grands essors de cet art qu'on a pu appeler aussi démocratique. Il faut dire que Perov, Savrassov et les autres peintres que je vais vous montrer avaient fait ce qu'on appelle la révolte des 14. Ils étaient tous étudiants à l'Académie des Beaux-Arts, mais ont renoncé de faire leurs travaux de diplôme sur le sujet de la mythologie grecque ou romaine et ont dit qu'ils veulent faire de l'art actuel, si vous permettez de le dire, dans les termes d'aujourd'hui. Et ainsi, ils étaient expulsés de l'Académie, ils n'avaient pas reçu leur diplôme et ils ont formé ce qu'on appelle l'association des peintres ambulants. Ça veut dire que ces peintres étaient obsédés par l'idée de faire les expositions ambulantes gracieusement, ça veut dire gratuitement pour les visiteurs, qu'ils voulaient faire passer d'une ville à l'autre. Et cette initiative a trouvé beaucoup d'enthousiasme aussi chez Tretiakov. Et dès qu'il a vu ce tableau, il l'avait acheté, bien que vous pouvez imaginer comment ce tableau était critiqué. Parce que à ce moment-là, dans les tendances académiques, était plutôt à la mode les paysages avec les ruines italiennes, les paysages qui portait cet idéal classique. Et quand on reprochait Tretiakov, il disait « Je cherche de la vérité dans l'art comme dans la vie. » Et je suis d'accord que c'est une mare peut-être sale, mais pour moi, en tant que russe, elle a beaucoup de poésie. Vous voyez un autre paysagiste, déjà l'élève de Savrassov, Fyodor Vassiliev. C'est la prairie mouillée. Et vous pouvez sentir que dans ces paysages, il y a aussi une certaine vision poétique et une vision aussi philosophique, ce qui est très proche aux écrits de tels écrivains que, par exemple, Tourguenev. Il faut peut-être noter
que la grandeur de la littérature russe ainsi que de la musique russe est de tel nom que Dostoïevski et Tolstoï et Tchaïkovski et Rachmaninov et les autres ont vraiment ombré l'histoire de la peinture russe. Et il me semble que maintenant, quand ce 19e siècle n'est plus le siècle passé, il est plus éloigné, c'est vraiment très intéressant de l'étudier profondément. Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans le roman « La guerre et la paix », quand le prince Bolkonski est blessé sur le champ d'Austerlitz, il voit devant lui un grand ciel avec les nuages gris. Et il me semble, et ça lui fait repenser toute sa vie, et il me semble que les paysages que vous allez voir aujourd'hui, d'une manière ou d'autre, parlent de cette attitude envers la vie, la patrie, de ce qui est éternel et de ce qui est de passage. D'autre temps, il est peut-être intéressant de vous rappeler qu'avant l'époque de Pierre le Grand, il n'y avait aucun autre art en Russie que l'art des icônes. Il n'y avait pas de l'art mondain, de l'art laïque. Et les centres culturels, c'était les monastères. Et un seul art pictural, outre les objets décoratifs, les objets qui entourent l'homme, c'était l'art de la peinture des icônes. Et bien sûr, l'époque où l'avènement de Pierre le Grand a fait une grande révolution dans l'art pictural. Et Pierre le Grand, il n'a pas pu fonder l'Académie des Beaux-Arts, bien qu'il l'a voulu. C'était fait par sa fille Elisabeth Petrovna à Pétersbourg. Et de ce temps-là, l'Académie à Saint-Pétersbourg, elle fonctionnait comme toutes les grandes académies à l'Europe. Mais de ce temps-là, on peut trancher, grosso modo, les deux grandes lignes dans l'art russe. C'est l'art qui a l'aspect national et l'art qui est plutôt plus proche à la ligne magistrale de l'art européen. Mais il faut dire que génétiquement, peut-être, l'aspect religieux, il reste toujours présent chez tous les grands maîtres de l'art russe. Vous voyez de nouveau Kramskoï, et c'est son tableau « Christ dans le désert » qui a été aussi tout de suite acheté par Tretiakov et qui a suscité beaucoup, aussi beaucoup de discussions, parce que Kramskoï lui-même a écrit « Je ne sais pas qui c'est », parce que chacun de nous a dans sa vie la possibilité de penser au Dieu et de se conduire d'une manière ou d'autre. Je sais seulement que cette personne est en difficile réflexion sur son destin. Et maintenant, je vous montre le tableau qui s'appelle « L'inconnu ». Qui est faite aussi par Ivan Kramskoï, mais plus tard. Et je souligne que ce tableau n'était pas acquis par Tretiakov. Et il me semble que vous-même, vous comprenez pourquoi. Parce que tout de même, il était toujours penché vers l'art qui posait des problèmes, qui était très sincère. Et ce tableau, qui était acquis à la galerie Tretiakov en 1925, après la Révolution, et qui est devenu une des icônes de notre collection,
très aimé par exemple par les Japonais, qui peut-être y voient, grâce au film L'idiot de Akira Kurosawa, une des images de Nastassia Philippovna, de cette femme russe qui avait l'air en même temps bon et orgueilleux, qui était dédaigneuse, mais qui était très autonome dans sa vie. Et bien que Tretiakov aimait beaucoup Kramskoï, il n'a pas voulu acheter cette œuvre, pensant qu'il n'est pas du tout dans le créneau de sa collection. Par contre, il avait commandé à Kramskoï, comme j'ai déjà dit, il avait eu cette idée de faire la galerie des portraits des grands hommes de son temps. Il a commandé à Kramskoï le portrait d'un grand poète russe, Nekrassov. Et Kramskoï a fait ce portrait-tableau lors quand Nekrassov était déjà très, très malade, et il l'avait appelé Nekrassov dans la période de ses dernières chansons. Bien sûr, l'image de Tolstoï était aussi incontournable pour Tretiakov. Il était en correspondance avec Tolstoï, et très souvent, Tolstoï le reprochait de n'avoir pas acheté l'un ou l'autre tableau. Et parfois, Tretiakov lui écrivait « Écoutez, je n'ai pas acheté ce tableau, non parce que j'ai peur de censure, il s'agissait d'un tableau de Guet, mais parce que je ne l'avais pas compris. Mais si vous pensez qu'il faut l'acheter, je l'achèterai. » Et il a commandé à Kramskoï le portrait de Tolstoï, mais il lui semblait à Tretiakov que l'image n'est pas rendue vraiment d'une ampleur que nécessitait Tolstoï, et il avait commandé un autre portrait juste à Nicolas Guet, le peintre qui jouait un grand rôle aussi dans la vie artistique russe et qui avait beaucoup, qui était très respecté par Léon Tolstoï. Mais aussi, il n'était pas satisfait par ce portrait et il a commandé un autre au peintre talentueux russe Ilya Riepin. Et jusqu'alors, tous ces trois portraits qui donnent chacun son image de ce grand écrivain russe sont dans la galerie Tretiakov. Il y avait une énorme histoire, il y avait un énorme intérêt à l'histoire russe, et aussi mes collègues espagnols hier ont signalé que cette naissance de l'intérêt aux origines de sa propre nation, à sa propre histoire, était propre aux plusieurs pays. Et vous voyez ici le tableau de Nicolas Guet, qui était aussi acheté par Tretiakov, qui nous montre l'empereur Pierre le Grand qui examine, qui demande son fils Tsarevitch Alexei si vraiment il voulait faire un complot et s'il prétend sur le trône. Vous savez que l'histoire russe est assez sanglante et qu'après, Pierre le Grand a ordonné d'exécuter son fils à la forteresse de Pierre et Paul à Pétersbourg. Un autre tableau, à mon avis, absolument exceptionnel, la Golgotha de Guet, qui montre bien sûr aussi les immenses possibilités de ce peintre. Et quand je vous parlais déjà de
cette réflexion religieuse presque innée chez plusieurs peintres russes. Bien sûr, je pensais aussi à Nicolas Gay. Il me semble que ce tableau a beaucoup dépassé son temps. Si on se rend compte que c'était fait à la fin du 19e siècle, dans la Russie, qui était un pays, je ne dirais pas arriéré, mais tout de même assez fermé, un pays de paysans, avec avec son propre destin qu'elle essayait d'étudier et de prévoir. Un autre tableau de peintre Vassili Verishchagin qui s'appelle « Triomphe de la guerre » ou « L'apothéose de la guerre ». Ce tableau, presque surréaliste, nous fait penser peut-être à Dali. Il semble que vraiment il ne reste qu'un pas de cette philosophie jusqu'à la philosophie parfois abasourdiste et mystique de Dali. Vassili Verishchagin est aussi un peintre à part dans l'histoire de l'art russe. Il était pacifiste de vraiment de conviction, et c'est pour ça qu'il avait fait, il a pris part dans toutes les grandes compagnies de guerre de ce temps-là. Il est mort sur la croisière russe pendant la guerre russe-japonaise, et il croyait sa tâche de montrer les cruautés de la guerre. Et sur le cadre de cette œuvre qu'il avait aussi commandée, est écrit « À tous les envahisseurs du passé, du présent et du futur, je dédie ce tableau ». Et bien sûr, dès que cette œuvre a paru, elle était aussi acquise par Pavel Tretiakov. Verishchagin voyageait beaucoup. Il était vraiment un de ces rares voyageurs russes qui ont fait des tours du monde. Deux fois, il était aux Indes et il avait apporté beaucoup de tableaux. Et bien sûr, toute cette série d'études était aussi tout de suite achetée par Tretiakov. Un autre nom très important dans la peinture russe, Ivan Aivazovski. Il faut peut-être dire que maintenant, c'est un peintre qui est le plus falsifié en Russie. Il a acquis un tel amour parmi le public russe et parmi le nouveau russe que maintenant, il semble que sa création, elle est doublée. Parce que la moitié, ce sont les œuvres fausses qui circulent dans le marché, parce que Aivazovski, il est réputé pour ses marines. Parfois, il est très théâtral avec les fameux levers ou couchers de soleil, et pour sa galerie, Tretiakov a choisi cette œuvre qui est appelée « L'arc-en-ciel », et qui montre et la beauté et la cruauté de la nature. Vous voyez à quel point ce tableau semble d'autre genre à ceux que j'ai montrés. Et c'est vrai que le tableau de Genrikh Simiradze, qui danse parmi les sabres, n'était pas acheté par Pavel Tretiakov. Il était acquis plus tard, déjà pendant la période soviétique, parce que Tretiakov ne jugeait pas utile de collectionner la peinture académique. Il y avait le musée de l'Académie de Beaux-Arts, il y avait beaucoup de collectionneurs qui préféraient
ce genre de peinture, et il faut dire que Szymirski, on le voit, est un peintre de qualité, qui a beaucoup de maestrie, mais ce genre de choses laissait Tretiakov tout à fait froid. C'est plutôt ça qui l'intéressait. C'est plutôt cette œuvre de Yerashenko qui s'appelle « Partout la vie », qui parlait des heures actuelles de la Russie, qui bouillonnaient par les révolutions. Il y avait les actes terroristes, il y avait plusieurs groupes politiques et les procès, et il y avait les prisonniers politiques qui étaient condamnés au bagne. Et nous voyons ici la scène quand le train avec ses politiques doit partir, et nous y voyons une jeune femme avec l'enfant que Yerashenko présente en tant qu'une madone qui lui était contemporaine. Cette idée que la nature russe est un grand docteur, Tretiakov l'a prêché toute sa vie. Et il parlait de sa dacha que chaque été, quand il y revient, il sent que tous les sentiments en lui se renaissent aussi. Et vous voyez ce beau tableau, le forêt de bouleaux d'Archip Kuinje, qui est devenu aussi un des peintres préférés de Tretiakov. Il y a un autre tableau qui n'est pas très bien réussi, mais qui était aussi acheté par Tretiakov dès son apparition. Et ce tableau fait par Kuinje peut-être nous fera penser à Gogol, parce que ce paysage représente le Dniepr, la fameuse fleuve. Gogol avait écrit « Le Dniepr est une merveille, par temps calme, quand harmonieux et libre, il file entre forêts et montagnes, tout empli de ses eaux. Le Dniepr est une merveille aussi par une chaude nuit d'été, lorsque toute chose s'endort, et l'homme, et la bête, et l'oiseau. Dieu seul illumine alors majestueusement le ciel, et majestueusement secoue sa chasuble. » Cette œuvre a suscité un énorme intérêt des visiteurs, parce que même il y avait quelqu'un qui cherchait derrière le tableau une bougie, parce que à l'époque ces couleurs lumineuses n'étaient pas du tout courantes. Il faut dire que Archip Kuinje c'était lié d'amitié avec le grand chimiste Mendeleïev, qui peut-être lui a aidé de composer ses couleurs à la matière luisante, presque fluorescente. Une autre vision de la Russie nous donne Ivan Shishkin. C'est plutôt la vision qui est plein de pathos, qui est épique. De telles narrations, on peut aussi rencontrer dans les descriptions, dans les contes russes. Et très proche de lui, le peintre Viktor Vassnetsov, qui a fait la façade pour la galerie et qui a fait ce fameux tableau que tout le monde connaît en Russie, qui s'appelle « Les preux » ou « Les héros », qui était tout de suite acheté aussi par Tretiakov et qui, bien sûr, concentre cette idée nationale, cette idée de retour à la propre identité
culturel. Il faut dire que c'est un tableau énorme et il est toujours à la galerie Tretiakov sur le même mur qui était choisi par Tretiakov parce que la galerie elle a subi beaucoup de reconstructions, mais pour ce tableau, la place est réservée pour toujours. Une autre paysage d'un peintre Palienov et qui présente la cour moscovite. Il faut dire que l'église s'est conservée jusqu'à nos jours et maintenant c'est le plein centre de Moscou et il n'y a rien de ce paysage sauf l'église. Mais quand je vous parlais de Moscou en tant qu'une ville qui était tout de même presque villageoise, vous voyez maintenant de quoi je parlais. Parce que très souvent, à l'époque, on appelait Moscou le grand village. Isaac Levitan, ce peintre qui était l'ami très proche de Tchekhov, nous a donné aussi ces fabuleux paysages à la fois mystérieux, philosophiques et trempés de l'amour vers cette petite patrie que chacun a dans son cœur. Un autre paysage n'est pas tellement facile à comprendre. Il a le titre Vladimirka. Mais en fait, Vladimirka, c'était la route par laquelle partaient ces prisonniers politiques qui allaient au bagne en Sibérie. Et quand je vous avais cité Tolstoï, je pensais aussi à cette œuvre de Levitan avec ce grand ciel. Mais en fait, si on passe un peu plus près vers nous, je me demande si ce n'est pas cette route qui a servi une piste d'envol pour les héros de Chagall qui survolent les petites villes russes. Parce que si vous vous souvenez, Chagall, qui aime tellement les couleurs pures, n'a jamais utilisé la couleur bleue du firmament. Et bien sûr, Chagall, qui a beaucoup apprécié Levitan, avait pris cet amour à ce ciel vraiment sans fin, à ce ciel magique et mystique chez Levitan. Un autre grand talent qui était tout de suite apprécié par Tretiakov, ce tableau de peintre Surikov qui s'appelle l'exécution des Strelets, était tout de suite acheté par le fondateur de la galerie. Il faut dire que Surikov était né en Sibérie et rien ne prédisait qu'il devait être peintre, mais il est venu comme autrefois Lomonosov, le grand scientifique russe, il est venu dans la capitale pour apprendre la peinture dont il sentait le grand penchant. Et une des premières œuvres qu'il avait créées, c'était ce tableau, l'exécution des Strelets, qui a était terriblement et vivement critiqué, mais Tretiakov l'avait acheté, pressentant un grand avenir de ce peintre. Et maintenant, vous voyez un autre tableau, aussi acheté par Tretiakov, qui nous raconte l'histoire de Boyarine Morozova, traitée par Vassili Surikov. Et d'une part et d'autre, c'est une histoire religieuse parce qu'il s'agit de cette vieille croyance dont je vous ai déjà parlé et de la nouvelle croyance. Et Boyarine Morozova, qui était d'une famille très noble, a voulu rester sur ses principes
Et alors, elle était envoyée en prison où elle est morte de faim parce qu'elle ne voulait pas manger, mais restant fidèle à ses principes. Et vous voyez à quel point Sourikov est préoccupé de montrer les différents états des personnages de ce tableau. Il y a ceux qui compatissent, il y a ceux qui rient, il y a ceux qui ne comprennent rien. Mais outre ça, on voit que la composition du tableau est vraiment géniale, que ce pas en diagonale, ce dos de garçon qui accompagne les traîneaux était vraiment une innovation. En fait, dans ses écrits, Sourikov avait dit qu'il a beaucoup cherché l'image de cette boyarine Morozova, et c'était l'image du corbeau sur la neige qui lui a servi de point de repère. Un autre tableau historique de Ilya Riepin qui parle d'une autre page sanglante de l'histoire russe, du tsar Ivan le Terrible, qui, dans l'accès de colère, parce que lui aussi, il soupçonnait que son fils veut le trône avant terme, il a jeté un bâton et il a mortellement blessé son fils, et vous voyez que Riepin essaie de traduire toute la palette des terribles sentiments qu'éprouve le vieux tsar Ivan. Un autre grand tableau d'Ilya Riepin qui nous représente la procession religieuse dans la région de Koursk. Aussi, il nous semble que toute la Russie est sortie pour cette procession. On voit les gens de différentes couches sociales, mais ce qu'on voit aussi, qu'il y a, si on peut dire, déjà cette vaccination française, qu'il y a cet engouement vers l'art français qui a beaucoup éclairci la palette du peintre, parce qu'il est allé à Paris, il a vécu à Paris et il a beaucoup appris sur les nouvelles techniques de la peinture. Un autre portrait commandé par le fondateur de la galerie Tretiakov, Riepin, le portrait d'un grand compositeur russe, Moussorgsky. Ce portrait était accompli quand Moussorgsky, très malade, était déjà à l'hôpital. Et Riepin venait prendre les séances. Vous savez que Moussorgsky était malade d'une maladie qui est propre à plusieurs gens de talent russe. Il buvait beaucoup et il me semble que le grand talent de Riepin a su montrer à travers tout ce qui est terrestre le génie de ce grand homme russe qu'on voit dans ses yeux. Il n'a jamais embelli, mais il a su entrer vraiment à l'intérieur, à la profondeur, et nous donner un certain état d'âme qui était toujours propre à Moussorgsky. Un autre peintre russe, Serov. Là aussi, on voit le grand engouement vers la peinture française.
Nous n'avons pas beaucoup d'œuvres de Serov parce qu'après la mort de Tretiakov, il est devenu un des directeurs de la galerie Tretiakov. Il est entré, il était le président du conseil et il ne pensait pas que c'est bien, étant directeur, d'acheter ses propres œuvres à la galerie Tretiakov. Mais grâce à Tretiakov, nous avons ce petit chef-d'œuvre. Le portrait de la fille de Sava Mamontov, qui était un des grands mécènes russes et qui vivait à Abramtsevo, où il y avait une sorte de l'atelier qui unissait plusieurs peintres russes. Un autre paysage philosophique, fait par Mikhail Nesterov, qui nous présente au premier plan l'histoire d'un saint qui était canonisé sous le nom de Sergueï de Radonège et qui était nommé par ses parents Barthélemy quand il rencontre un moine qui lui prédit son sort. Il faut dire que le peintre que nous allons voir maintenant, Vroubel, était assez difficile pour Tretiakov. Il disait qu'il ne comprenait pas l'art de ce peintre, qui lui était très difficile, trop psychologique, mais tout de même, il prêchait le principe qu'on ne peut pas acheter seulement ce qu'on aime, que si on veut donner une image objective, il faut acheter les peintres qui sont reconnus de talent. Et bien sûr, ce talent, il le sentait chez Vroubel, qui est connu par les images de démons. Il a fait les démons volants, le démon déchu et le démon assis. Et il faut dire que ces démons de Vroubel sont peut-être les plus attirants dans cette thématique, même mondiale. C'est le portrait de sa femme qui était chanteuse d'opéra, Zabel Vroubel, dans le costume pour la princesse Signe pour l'opéra Tsar Saltan de Rimsky-Korsakov. Et il faut dire que, étant mort en 1898, Tretiakov a fait tout le nécessaire pour que sa collection survive. Il a fait la donation de sa collection à la ville de Moscou. Et le sort de la galerie Tretiakov était vraiment fantastique, parce que après la révolution d'octobre, la révolution qui a eu lieu en 1917, quand plusieurs collections, domaines privés étaient nationalisés, dispersés, disparus, le statut du musée municipal avec la peinture qui était reconnue par le nouveau pouvoir comme la peinture démocratique, a permis à la galerie Tretiakov de survivre. En 1918, par le décret de Lénine, elle était nationalisée et elle est devenue le musée de l'art russe. Il faut dire que sur sa façade, deux noms de Tretiakov sont gravés. Le nom de Pavel Tretiakov qui collectait l'art russe et le nom de son frère cadet, Sergueï Tretiakov, qui collectait de l'art occidental, peut-être pour ne pas faire la concurrence à son frère aîné. Après la nationalisation de la galerie, la collection de Sergueï était transportée dans les autres musées. Cette collection avait à peu près 90 œuvres, et parmi ces œuvres étaient l'étoile de Courbet, de Corot, de Millet, de Bastien Lepage et d'autres peintres. Cette collection était divisée entre le musée
des Beaux-Arts, Pouchkine à Moscou et l'Ermitage à Pétersbourg. Il faut dire que le statut de la galerie, qui est devenu le Musée national de l'art russe, lui a permis de sauver plusieurs œuvres de toutes les périodes et d'élargir les marges de sa collection. Parce que Tretiakov avait donné à la ville de Moscou 3300 œuvres. Maintenant, la collection de la galerie Tretiakov, c'est 150 000 œuvres. Et il y a les départements qui montrent l'histoire de l'art russe en chronologie. Des icônes, parmi les fameuses la Vierge de Vladimir du XIIe siècle ou la Trinité de Roublov, qui passe par le XVIIIe et XIXe siècle. Vous voyez le portrait de Pouchkine par Kipriensky, un très intéressant peintre russe, Vinitsanov, qui a fait les paysages allégoriques sur la vie des paysans. Le brillant Karl Brulov, qui avait vécu en Italie et nous a laissé aussi les œuvres pleines de maestrie. Et le fameux Alexandre Ivanov, qu'on nomme très souvent le peintre d'un seul tableau. Parce que, étant vécu en Italie, Ivanov était obsédé par la création d'un tableau qu'il espérait que tout le monde pourra comprendre. C'est l'apparition de l'apparition de Messie. Et vous voyez que Ivanov, qui a travaillé sur ce tableau plus de 20 ans, l'avait peut-être un peu, si on peut dire, entre guillemets, torturé, mais que c'est juste lui qui est devenu le professeur, le maître pour tous les grands peintres russes. Et si vous vous souvenez des tableaux de Sourikov et de Répine que je vous montrais, de la procession religieuse, de la Boyarine Morozova, vous pouvez sentir cette compétition parce que, comme Ivanov l'avait voulu faire le premier et montrer les différents caractères humains dans les circonstances qu'on revit ensemble, les autres étaient obsédés aussi de faire ce fameux grand tableau avec plusieurs personnages et plusieurs caractères. Mais ce tableau, bien sûr, est entré à la galerie déjà après la mort de Tretiakov, lors de la période soviétique. Vous voyez Pavel Fedotov, qui a... en fait, c'est lui qui a poussé la peinture russe vers ces tableaux de genre. Et c'est lui, étant militaire et autodidacte, est devenu aussi, pour plusieurs peintres russes, une autorité incontestable. Et bien sûr, il y a l'élargissement dans l'autre côté. Vous voyez les œuvres des grands peintres russes déjà du XXe siècle, comme Petrov Votkin, Lentulov, Chagall, Kandinsky et le carré noir de Malevitch, qui sont conservés à la galerie Tretiakov, qui a reçu un autre bâtiment qui se trouve en face du parc Gorki et où est exposé l'art du XXe siècle. Voilà, c'est tout.